RMC, l'immanquable grande gueule. Moi, ça, ce qui pose un problème là, c'est le sentiment d'insécurité que tu peux ressentir en allant à l'hôpital, parce que là, ça fait quand même plusieurs cas. Oui. Normalement, dans mon esprit, j'ai été opérée dans une clinique quand j'étais jeune. J'étais très mal opérée et c'est l'hôpital qui m'a sauvé la vie. Et je sais que depuis cet épisode-là, j'ai gardé en mémoire que l'hôpital, c'était vraiment le lieu où tu rentrais et on te sauvait la vie, à part maladie incurable. Voilà. Mais en tout cas, on pouvait te sauver la vie. Et là, on arrive à un point où l'hôpital, tu n'es plus en sécurité. En allant à l'hôpital, tu te dis, mais est-ce que j'y rentre? Est-ce que j'en ressors? Parce qu'il y a des dysfonctionnements, parce qu'il y a un manque de personnel, parce que le personnel est épuisé. Et donc, l'hôpital qui était quand même notre emblème national, là, c'est la santé publique, c'était notre emblème national, c'est devenu quelque chose, pour moi, qui commence à devenir comme... Enfin, je ressens un sentiment d'insécurité. Donc, je pense que je ne dois pas être la seule et ça pose problème. L'immanquable grande gueule.